Alors l'année dernière, j'ai gagné quelques tournois français et qui sont des tournois franco-français et des tournois internationaux. Et surtout, j'ai gagné les championnats de France l'année dernière au mois de décembre. Donc je suis championne de France 2012. Alors je suis amputée fémorale à gauche, donc c'est-à-dire que je suis amputée au-dessus du genou. En fait, ça a été assez facile parce que ça m'a fait tellement de bien de faire du sport que je concilie assez facilement les deux. Le plus difficile aura été d'être sans prothèse dans un fauteuil à la vue de tout le monde. Au début, ça a été un peu dur et finalement, ça va maintenant. Tout ce que je peux leur dire, c'est mon deuxième centre de rééducation qui m'a redonné goût au sport. Et j'avoue que depuis, ma vie a changé, quoi. C'est-à-dire que j'étais beaucoup enfermé chez moi, parce que un peu dans la déprime de l'après-accident. Et finalement, le sport permet de sortir, permet de rencontrer des gens, permet de se dépasser et de se prouver qu'on est encore capable de faire beaucoup de choses, surtout. C'est important. Ça m'est tombé un peu comme ça l'année dernière quand j'ai reçu le bilan à faire par la fédération handisport. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Pour moi, c'était vraiment quand on était au haut niveau. Alors, je n'ai pas encore le statut, ce qu'ils appellent jeune. Mais a priori, si je continue sur cette voie, ça devrait vite arriver. Et c'était pas dans ma tête du tout au début, quoi, finalement. Et finalement, je trouve ça très bien parce que ça va me permettre de me débloquer encore plus de temps par rapport à mon travail. Puis c'est un peu une fierté à 40 ans d'être sportif de haut niveau, c'est bien. Bah, les championnats de France, dans un premier temps, sans hésiter. Et ce que j'ai vu à Londres l'année dernière aux Paralympiques, ça, c'était vraiment bourré d'émotions et c'était vraiment super. Alors pour moi personnellement, c'est surtout l'émotion que ça provoque chez les autres. C'est un peu étrange, mais c'est un peu ça. Du coup, ça me provoque de l'émotion à moi, mais avant tout, je pense à ma famille, à mes amis, tous les gens qui me soutiennent depuis que je fais du tennis, parce que j'ai vraiment beaucoup de monde derrière moi. Et du coup, moi, ça me fait avancer et ça me fait vibrer.